Lionel Jospin à Toulouse, après avoir signé un autographe à la terrasse d'un café et avoir répondu à de nombreuses questions sur l'actualité nationale, l'ancien Premier ministre socialiste a expliqué pourquoi il apportait sa caution au candidat Pierre Cohen. C'est en même temps un homme de gauche, on va dire authentique et classique, mais en même temps un esprit modernisateur et novateur, si vous voulez. Il a toujours eu une démarche démocratique, il le faisait dans sa gestion précédente et il le propose comme démarche aux Toulousains. Et je crois que la liste qu'il a rassemblée autour de lui, qui est une liste de toute la diversité de la gauche et des écologistes, mais au service des Toulousaines et des Toulousains, peut apporter à Toulouse le changement dont elle a besoin. Lionel Jospin s'est également rendu à Ampalo pour rencontrer les habitants sur le thème de la sécurité. Il a tenu à rappeler que la police de proximité avait été mise en place sous son gouvernement. Et c'est toute cette conception d'une police à la fois préventive et répressive, d'une police aussi qui intervient dans des quartiers dont on s'occupe, dont on traite mieux les problèmes de transport, les problèmes d'emploi, les problèmes de logement, que c'est toute cette conception que l'équipe réunie autour de Pierre Cohen mettra en œuvre. Et Lionel Jospin a répété à plusieurs reprises qu'il était très confiant sur l'issue du second tour au municipal de Toulouse.